change de chargeur. Oh là là, les mouvements, gros. Oh là là, oh là là, tu peux... Oh là là, tu peux refaire des trucs, gros. Ok, les ultras, il s'est passé quelque chose hier. Je suis allé sur Twitter et je vois ce post de Code QG. Voici à quoi ressemble le cancel slide suite à la dernière mise à jour. Je vous laisse regarder, vous allez me dire ce que vous en pensez. En soi, la glissade et le repartir, ça a l'air incroyable. Donc, je viens de faire la mise à jour et je vais tester ça et on va en parler. Le truc qu'on entendait, c'est que le jeu allait trop vite. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le jeu très très lent, tu vois. Ce qui fait qu'au final, avec un jeu très très lent, pour les joueurs clavier-souris, t'as plus forcément d'avantages contrairement à un joueur manette. Une fois que tu rentres dans la visée aim assist, c'est du 50-50. Chacun prend son fight, et vu qu'il y en a un qui a zéro perte de balles, l'autre qui a plein de pertes, c'est compliqué, on va dire. Sur Warzone 1, il y avait les Goths qui se déplaçaient rapidement et qui faisaient zabo et qui étaient des putains de monstres. C'est les excellents joueurs. Mais à côté de ça, t'avais les dégueulasses avec FB.GG en pseudo ou TikTok en pseudo qui se baladaient à des allures mais démentielles et en faisant des... Exemple Didier, s'il te plaît. Et en fait, c'est vraiment une nouvelle génération, c'est leur délire en fait. On dirait qu'ils branlent leur daron gros, en faisant des au bas avec la cam, sur chaque déplacement. Et dès qu'ils voient quelqu'un, ils arrêtent leur shoot, ils l'atomisent, ils repartent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, on a cette map qui est pas mal. Je pense que je vais la faire FAMAS ou Rafaleur. Je vais prendre le FAMAS en feeling. Oh, c'est bon ça. Tu peux vraiment enchaîner, gros. Tu peux vraiment enchaîner les glissades. Putain, c'est bon ça, les gars. Ok. Donc, on a... Qu'est-ce qu'on a exactement? On a... Wow. Radel, rebond contre le mur, il est mort. Ils sont trois en face de moi. On va mettre la para. Et là, ça... Oh non, la balle de snipe qui fait mal. Donc en fait, là, juste pendant les glissades et tout... Pendant les glissades, ils ont décidé d'augmenter la vitesse de 75%. Là, vraiment, les glissades, je suis avec une arme lourde. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie du déplacement, quoi. Et là, je vous fais une petite game avec la FAMAS. C'est une arme très très forte et c'est ce que je voulais pour vous montrer correctement à quoi ça ressemblait. Putain, mais les mouvements sont fous de fil. En fait, je comprends pas que personne n'en ait parlé. Pourquoi est-ce que tout le monde râle tout le temps actuellement sur les... sur les mouvements, et personne dit quand c'est... quand actif fait un truc super bien, gros. Ça arrive tellement jamais. Oh, collate encore. Ça arrive tellement jamais qu'ils écoutent un peu la commu, tout ça et tout. Là, quand ils l'écoutent, y'a personne qui dit rien, gros. Je suis à ça de faire un tweet en leur disant merci. Je suis pressé de voir sur Warzone ce que ça va dire, mais... Là, le jeu est vachement dynamique. C'est agréable de ouf. De vous montrer un peu à quoi ça ressemble, tu vois. Après, si des gens issus de TikTok ou d'endroits sombres comme Facebook Gaming ou des trucs comme ça débarquent et jouent d'une façon atroce, c'est pas la faute du jeu, tu vois. On va voir ce qu'on peut bombarder. Oh, Starfool là.
Il pleut du plomb. Il pleut du plomb, les amis. Eh les gars, il faut rentrer les têtes. Ils rentrent pas à leur tête, ces animaux. Oh merde. C'est mon propre avion qui m'a tué, gros. Il a fait exploser la voiture qui était à côté de moi, il m'a abusé. Qu'est-ce qu'il a pris, lui? Wesh. C'est moi ou ils se sont respawn dessus? Il y en a un qui est mort. Ok. Ok, Yannou. Merde. 39 kills, le deuxième, il en a 5 dans mon équipe. Ça va, c'est équilibré. Oh, il y a tout qui passe, gros. C'est des grands captureurs. Ouf, merde. C'est ma première game, gros. Je suis en train de leur mettre une tempête, frérot. C'est rare, en fait, j'ai une team. Oh là là, les mouvements, gros. Oh là là, oh là là, tu peux. Oh là là. Tu peux refaire des trucs, gros. Oh là 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 là. Alors là, les gars, souvenez-vous qu'après cette game, j'aurai un SBMM à 35 de KD, ça va me faire bizarre. Hein. C'est trop marrant les petits headshots avec cette arme, c'est vraiment mignon, gros. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chat, de ces mouvements? Première game que je fais avec ces nouveaux mouvements, 54 kills, gros. C'est la folie, c'est ma première game du matin. Ok, les gars, qu'est-ce qu'on en pense? Honnêtement, je vous le dis, je comprends pas qu'on en ait pas plus parlé. C'est tout ce qu'on demandait, que la glissade, elle aille plus vite et que le temps après cette glissade, il soit mieux. Donc honnêtement, la petite mise à jour là que Sledgehammer Game a fait en scred est pour moi la meilleure mise à jour qu'on pouvait avoir. Ils ont fluidifié les mouvements sans pour autant rendre le truc cancer. Après oui, quand vous allez voir les TikTok, .gg, FBGG, machin mes couilles, qui vont arriver à fond, full cancel side en tirant partout, on va vomir. Tonton Sky, il va faire une crise d'épilepsie quand ils vont voir ça. Mais pour tous les joueurs qui ont des mouvements, ça va nous permettre de sortir de cette espèce de d'étau à 100 de FOV ou dans lequel, quand on rentrait dedans, en étant clavier souris versus manette, on ne pouvait pas gagner. Là, ça va nous aider de fou. C'est trop bien, ça rééquilibre un peu les chances. Même si, pour le moment, pour ce MW3, je trouve que l'aim assist est grave bien équilibré pour le moment. On en reparlera sûrement, mais pour le moment, c'est ok. Mouvement, grave validé. Je vais continuer ma session, je vais continuer de kiffer. Et vous, pensez à laisser un commentaire, liker, commenter. Je vous fais des bisous.